Yo les petits potes, alors du coup on est arrivé au zoo de Beauval. On s'est dit hier soir qu'on allait faire le zoo parce qu'on a vu le temps, un peu la météo, etc. Et du coup on a décidé d'aller au zoo de Beauval. Du coup là on vient tout juste d'arriver, on arrive au guichet et après on rentre au zoo. C'est parti! Qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ces petits animaux qu'on a vus? Ben, il y avait des singes, alors j'étais content. Ouais, on a vu pas mal de singes, de lions, de jaguars. Bon, normalement, vous aurez vu tout ça en vidéo. Et c'est que le début. Alors du coup, là, on va continuer. On arrive au niveau des... Vous allez prendre le tour des oiseaux, non? Ouais, la volière. On arrive à la volière. Bah non. Non. C'est parfait. Si. Wow. C'est parti, on va prendre les télécabines. Je vais vous avancer pour la prochaine. C'est bien, merci. Merci. Le suspense. Ouais, ça frappe. Ça frappe. T'es prêt à prendre le télésiège? C'est une télécabine. Ah, t'es prêt à prendre le télécabine? Oui. On est bloqué. C'est parti. On est bloqué. Bon, je vous ai l'oreille, que j'ai un peu le vertige. C'est parti. C'est parti. Attends, on va attendre d'être dans les airs. Ouais. Oh, ça va, accélère, ça accélère. Mais ça bouge, hein. Bah, et encore, tu ne roules pas, là. Oh, la vache. Je m'attendais pas à ça, en fait. On peut se faire une course? Oh, je suis en stress. C'est
pas encore au plus haut, vous pouvez voir. Je sais pas si vous avez envie de voir la caméra. Wow. Je suis pas très clé parce que j'ai peur qu'on penche. Merci. Wow. Je sais pas si ça va mieux quoi. Oh, moi, en fait, je suis trop grand, du coup, je me prends tout le. Ah ouais, je peux fermer. Waouh, c'est trop beau. C'est magnifique. Salut les copains. C'était le tour de la cabine. J'ai peur. En vrai, je suis pas bien. Premier degré. Petite photo. Du coup, c'était une télécabine qui allait d'un point A à un point B. Du coup, là, on va arriver au niveau des éléphants, etc., vu qu'on a fait toute la partie derrière. Et franchement, c'est pas mal. Du coup, tu vois le parc en hauteur et tout ça, c'est sympa, c'est impressionnant. Et là, du coup, on va arriver au niveau des éléphants et on va continuer la visite avec vous. Allez, c'est parti! Petite faim. Alors mon chat, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas faim. Non, je sais. Ah, okay. Une vidéo de faim, je disais. Ah. Petite vidéo de faim du zoo de Beauval. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'était magnifique. Les spectacles, après, les animaux. Ça reste des animaux qu'on voit dans un zoo, quoi. Ah bah oui. Bah c'est dommage qu'ils soient dans des cages et tout ça, mais bon, s'ils seraient pas dans des cages comme ça, on les verrait jamais parce que ça serait dans leur pays natal. Bah c'est sûr, je vais pas aller en Afrique juste pour voir des tigres. Ah c'est ça, ouais. On a la chance, ouais, je pense que ces zoos là, comme c'est des gros zoos, je pense que les animaux sont pas non plus malheureux. Mais c'est sûr qu'ils sont extrêmement... Ils restent quand même pas dans leurs conditions. Ah non, mais c'est clair, un tigre, ça vit dans de la chaleur. Ah ouais, oui. Bah regarde, comme là, les tigres, etc. Là, je pense qu'ils seraient mieux en Afrique ou je sais pas quoi, dans les Sahara, dans leur pays d'origine. Dans leur pays d'origine, tout à fait. Du coup, voilà, on a fini ce petit zoo. J'espère que ce petit plan de vidéo, que j'ai fait un petit condensé de vidéo, j'espère que cela va vous plaire. Et on se dit pour le prochain jour, hein, ou peut-être à tout à l'heure. Allez, tchuss!